collègues où ils ont refusé d'appuyer la décision du Front commun syndical. Parce que c'était l'année du Front commun le total, c'est l'année des emprisonnements, ça. Alors, le soir, à l'exécutif, quand les trois, je vous dis, moi, ce soir-là, Amédée Daigle a transpiré des larmes de sang. Il était là pendant sur la clôture, là, très longtemps. Il ne voulait pas défier la loi. Il ne voulait pas défier. Il trouvait que c'était trop gros. Mais sa fidélité, là, elle a été difficile à trancher. Et puis surtout que ça s'est traduit même pour un problème personnel, problème familial. Son fils était permanent syndical. Et lui, il est resté à CSN. Oui, le fils d'Amédée. Alors, vous voyez, là, il y avait vraiment des problèmes de conscience, de conception. C'était profond, cette affaire-là. C'était pas un coup d'état superficiel.